Hello la gang! Bienvenue à l'épisode 2 du Robbie Show! Écoute, je sais pas si t'as écouté l'épisode de la semaine passée, mais si t'as pas écouté ça, vas-y direct après le show. Là. Matt Duff, j'étais complètement malade. Écoute, on a passé par une gamme d'émotions, on s'est fait attaquer par un abeille, on a donné 50 biscuits à du monde qu'on connaissait même pas. J'ai adoré Matt Duff, c'est tellement un bon gars, tellement un bon Jack. Fait que si t'as manqué quelque chose, t'as encore ta chance, va l'écouter après directement sur notre chaîne YouTube, puis abonne-toi donc, t'as qu'à faire. Et pour les gens qui n'ont pas suivi le concept, cette année, je vais accueillir 8 invités exceptionnels, 8 invités incroyables. On va passer par une gamme d'émotions, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir bien du fun. Je leur réserve des surprises, on va jouer à des jeux, tout ça dans un auto, en collaboration avec Cadillac. Donc, la gang, si vous ne suivez pas sur YouTube, allez-y, drette là, parce que ça n'est pas fini. Et justement, aujourd'hui, mon deuxième invité est nul autre que Claudie Mercier. Et vous étiez plusieurs à lui avoir demandé des questions. Donc, le segment questions publiques va être très, très bon. Et moi, en fait, Claudie, elle a fait OD Afrique du Sud, pour les gens qui la connaissent pas, en 2019. Et les gens d'OD, c'est spécial, parce que c'est... On se connaît, mais on se connaît pas. Tu sais, c'est comme tout le temps... On s'est rencontrés un petit peu après, mais sans plus. Donc, je vais apprendre à la connaître avec vous. J'ai hâte, j'suis excité. Fait que on commence ça live, là, direct live, là. La gang, applaudissez. Claudie, merci, ça part! OK, let's go! Allô! Allô, gang, je suis avec Claudie! Je suis contente de t'avoir. Mais je suis tellement contente que tu m'aies invité. Honnêtement, je me sens vraiment choyée que t'es bon à moi. Ben là, c'est parce que moi, c'est comme si, c'est niaiseux, mais c'est comme si on se connaît, mais on se connaît pas. Oui. Mais je pense que c'est le même un peu avec les candidats d'OD. Sans vos ans. Il y en a certains, tu m'as même écrit quand je t'ai sorti. Ah, oui, je t'aimais tellement. Ah, mais c'est coup de cœur du public, j'avais voté pour toi. Ah, ouais, t'avais voté pour moi, je savais pas. Ben oui, j'avais voté pour toi. Ah, t'es ben oui, voyons-le, c'était le plus hot. Ah, sorry à tout le monde. Mais j'avais vu tes vidéos YouTube aussi. C'est ça que je disais. Non, c'est que pendant mes présentations, pis tout, ou. J'avais su qu'il y avait des stories sur moi pendant la saison, mais c'était juste du positif. Là. Est-ce que je sais qu'on est en plein podcast, mais il faut que je t'avoue de quoi? Faut que je te dise de quoi? C'est le moment. Pendant que vous étiez à OD, okay, on avait vu, on est allé à la semaine des 4 juillet, moi, Matt, puis d'autres personnes d'OD. En milieu il fallait qu'on réagisse au portrait. C'était genre au début de la saison. Okay, okay. Il fallait qu'on réagisse au portrait. Là, ce que tu me dis là, j'ai jamais su ça. Là, ouais, ben c'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit en primaire. Il avait demandé, et hey, puis je me sens tellement mal, il avait demandé c'est qui que vous pensez qui va être le plus comme stupide, mais pas stupide, pas intelligent, mais genre le plus comme. Je vois, mettons. Puis j'avais dit c'est ça, c'est lui. Puis là, tout le monde était comme qu'est-ce qui te fait dire ça? Je suis comme, je sais pas, là, son physique, il a l'air niaiseux, mais pas niaiseux de la mauvaise façon. Non, mais c'est vrai que c'est... je suis de même, là. Ben, Matt aussi est de même. Ouais, je suis niaiseux. C'est ça. Ben, moi, tout, je suis niaiseux, mais... c'est correct. Ça fait notre beau. C'est ça. Mais là, tu sais, on se connaît par rapport à OD pis tout. Oui. Mais moi, je veux savoir vraiment... Tu sais, honnêtement, ça m'intrigue. C'était qui, Claudie, avant toute cette vague-là, cette grosse vague-là? C'était quoi que tu faisais? C'est quoi que t'étais? Hey boy, tu veux-tu vraiment savoir ça? Ben... J'étais pas grand-chose. Non, arrête, dans le fond... Arrête. Non, OK. Dans le fond, avant OD... OK. J'ai comme un parcours, ben pas bizarre, là. J'ai un parcours normal, dans le sens, j'ai fait mon cégep en lettres et communication, en Beauce. Moi, je viens de la Beauce. Tu sais, c'est où la Beauce? Ben, okay, oui, je voulais juste m'en assurer. Je viens de Québec, moi. Ah! Oui! La pyramide! C'est ça, le shaker de la pyramide! C'est ça, exactement. Ça a viré là en masse. C'est ça. Fait que dans le fond, après le cégep, j'ai décidé d'aller à l'Université Laval en communication. Et moi, quand j'aime pas quelque chose, je vais pas le continuer. Puis les communications, c'est zéro comme le fun, là. Genre, c'est comme t'apprends les théories de la com, c'est tellement de la merde. Fait que j'ai fait fuck off, je change mon moment en enseignement primaire. Oh mon Dieu! Fait que là, je suis allée à l'Université Laval en enseignement primaire parce que moi, je me disais, hey, j'aime les jeunes, j'aime...
j'aime comme animer en avant, puis comme moi je tripais ma vie. Fait que je m'en vais commencer mon programme en enseignement, je fais mon stage 1, ça va super bien. Rendu au stage 2, je suis vraiment dans une classe où ce que j'enseigne aux élèves puis tout, c'est au primaire. Ouais. T'as ton monde, t'as ton groupe genre. Oui, j'ai mon groupe, ouais. Mais comme vu que c'est un stage, t'es comme bien évidemment pas la vraie enseignante, ouais, là, ouais. Toi t'es comme la stagiaire si on veut. Ouais, fait que j'aimais vraiment ça, mais on me reprochait beaucoup. Mon enseignante associée me disait tout le temps, Claudie, on est à l'école ici, pas au camp de jour. Parce que, dans le fond, moi, j'étais le genre de personne qui arrivait déguisée à l'école. Puis je faisais des maths déguisées avec les élèves. Je faisais des compétitions. Ah, j'aurais tripé réel. Mais c'est ouais, ça! Ouais, non, mais c'est ça qui me fait chier. Puis, genre, mais pas que j'en veux à l'enseignante, parce que je peux comprendre qu'on a besoin d'une certaine structure, mais comme... Moi, ça m'a vraiment découragée qu'elle me dise ça. Toi, tu t'es dit, moi, j'aimerais peut-être ça quand j'aurais été jeune, comme j'aurais voulu ça. Ah, mais tellement, parce que moi, je pense vraiment que l'éducation, c'est pas de rester assis pendant 8 heures de temps sur une chaise puis avec les bras de même. Moi, je voulais rendre l'école le fun pour ceux qui trouvaient pas ça le fun d'aller à l'école, okay, tu comprends? C'est cool, ça. Ouais, ben, tu sais, moi, mes préférés, c'est les petits tannants, là, comme qui sont gossants, mais comme, t'es comme je t'aime, ouais, là. Ouais, ouais, mais il y a une façon en plus de, tu sais, souvent, c'est drôle parce qu'on en parlait la semaine passée avec Matt, puis lui, ouais. Il était ça, ce petit tannant-là. C'est ça! T'sais, dis-moi, les profs que j'aimais, c'est ceux qui étaient pas là à me discipliner tout le temps, voilà. T'sais, puis ils m'amenaient une certaine discipline, mais d'une autre façon, t'sais. Exact. Fait, c'est ça, je me faisais beaucoup reprocher que j'avais aucune autorité, que j'étais pas bonne pour, comme, saisir mon groupe, là, dans le sens que j'étais pas bonne pour le calmer, mettons. Okay. Mais moi, j'aimais ça de même. Moi, j'aime le fiasco, j'aime quand c'est le chaos, puis je trouve que c'est... genre lumineux, tu sais, dans une classe vivante, mettons. Okay. Mais finalement, j'ai décidé de quitter l'enseignement primaire, comme tu peux le voir. Tu t'en doutes. Et là, tu sais qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Moi, j'étais à Québec, j'ai été 2 ans comme à l'Uni Laval, et j'ai fait, tu sais quoi? Je vais venir déménager à Montréal, mais toute seule. Okay, je connaissais avant personne. Avant OD, tu étais à Montréal déjà? Oui. OK, fait que t'étais partie de la Beauce. Exact. Okay. Là, moi, j'étais partie de la Beauce, j'étais à Québec pour l'Université Laval, je vivais là en appart, ça allait bien, j'ai vécu là même 4 ans. C'était avec quel âge, là, rendu là? Mais là, moi, je devais être rendue à 20 ans. Mettons, quand j'ai fini l'université, je devais être à... Non, 21-22. J'ai décidé que je partais de Québec pour aller à Montréal. OK, OK. Puis dans le fond, la raison derrière tout ça, c'est que je me disais, Montréal, c'est là où il y a tous les contacts. Moi, je faisais des photoshoots dans le temps. Je me suis dit, je vais commencer à faire de la figuration. J'avais commencé à faire de la figuration dans des petites séries. T'étais-tu connue un peu avant ton parcours? Ben, c'est ça. J'étais pas connue, mais j'avais une plateforme, mettons. Okay. C'est comme sur YouTube, j'avais 3000 abonnés. Sur Instagram, j'avais 8000 de ce que je me souviens. Je pensais pas que YouTube, t'étais déjà dans ce monde-là. Oui, moi, je faisais déjà du YouTube 2 ans, 3 ans, même avant d'aller à OD. Okay. Genre, je parlais beaucoup de sexualité sur mon YouTube. Ça a vraiment pris une tournure différente, mais... Tu dis ça, puis ça me rappelle des souvenirs. Tu dis ça, là, puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, je sais que ça avait sorti. Oui, ça avait sorti, pas à peu près. J'étais vraiment la provocatrice de YouTube dans le temps, de ce que je me rappelle. Fait que je faisais ça. Ces vidéos sont disponibles encore? Ah ouais, malheureusement, vous pouvez aller les voir et rire de ma gueule. Donc, allez sur le compte de Claudie Mercier. Allez voir Marie. Je faisais des vidéos, genre je réagis à des positions sexuelles inusitées. En tout cas, tu sais, je faisais plein d'affaires où que je parlais vraiment de tout et de rien. Moi, tu sais, moi, dans le temps, avant d'aller à OD, ça faisait 4 ans que j'étais célibataire, là. Fait que moi, si, j'étais une célibataire acharnée, ouais, là, dans le sens... C'était amusé. Ah ouais, puis j'avais des expériences. Fait que moi, c'est ça qui était hot avec YouTube. Je comptais mes petites anecdotes ici et là, tu sais. Fait que là, pour en revenir à Montréal, je dis, je vais venir vivre à Montréal. Puis j'avais envoyé ma demande. Est-ce que je suis bizarre dans la vie? Moi, je voulais travailler dans les médias, mais je me suis dit, hey, j'aime tellement la sexualité que je vais envoyer ma demande pour être en sexologie à l'UQAM. Comme, t'as peur, là, comme tu vas leur faire je le cours. Je vais aller au bac en à l'UQAM en sexologie. Fait que je sais, moi, je suis genre vraiment de même. J'envoie ma demande, je suis acceptée. Fait que là, ça tombe bien, je suis déjà à Montréal. Mais veux-tu savoir, c'est ça qui est hot? J'ai rencontré ma colocataire sur Kijiji parce que moi, je connaissais personne à Montréal. Puis ça coûtait trop cher d'avoir un appart tout seul. Mais attends, est-ce que Kijiji offre ces services-là ou toi, t'as genre vendu quelque chose, le plat est arrivé, puis ça s'est... Non, elle, dans le fond, elle avait fait une annonce pour dire qu'elle se cherchait une colocataire fille, puis elle avait des photos de son appartement. Voyons puis dans le fond, on a proposé de se faire un petit meeting.
Ben, écoute, faites pas ça avec n'importe qui non plus. Ouais, c'est peut-être pas conseillé. Je vous le conseille pas nécessairement. Mais toi, ça a été une. Ben oui, moi, c'est mon ami en ce moment. Ah, c'est vraiment cool. C'est fucké, hein. C'est cool que ton ami, j'ai trouvé ce qui Gigi. Tu sais, on peut trouver même un ami, c'est vrai. On peut trouver même un ami, ça. Oui, c'est bon. Fait que c'est ça, j'étais à l'habiter avec elle. Puis ça, c'est fucking drôle parce qu'elle s'appelle Jasmine. Jasmine, elle est zéro occupation double. On lève les pieds, il y a une traque de train. Ça n'a pas de chance. T'as déjà fait ça? Non, je savais même. Tout le monde va commencer à faire ça. Ah, ouais, hein? Ok, mon Dieu, j'ai juste une dalle. Je te jure, à chaque fois que tu vois une traque de train, tu lèves les pieds. Ok, bon, mais je vais le faire à l'avenir. On salue Michel. On le salue. Ah, oh, Michel, mon père aussi, il s'appelle Michel, oui, c'est les meilleurs. Tu l'as dit, c'est vrai. Fait que c'est ça, là. Jasmine, ma coloc. Ouais, Jasmine, ouais, la coloc. Déteste. Ben, dans le fond, elle est vraiment comme pas dans OD, là. Comme elle juge ça à côté, mettons. Ok. Mais là, écoute ça. Je suis dans mon appart, puis j'ai pas encore commencé l'école, là. Je vais commencer en septembre. On est peut-être en juin, juillet. Puis là, c'est, ils te font à croire qu'ils viennent prendre des prises de sang, je sais pas trop. Ah, my God. Et là, moi, je suis en pyjama, ben relax. Et moi, si les prises de sang, en plus, je déteste ça. J'ouvre la porte, c'est Jay du temps. Mais comme moi, puis ma coloc, on est en pyjama. Ma coloc, qui connaît zéro OD, comme zéro là-dedans. Claudie, je t'annonce que tu pars en Afrique du Sud, je t'en même. Je chapotais, moi je me mets à crier. Puis là, ma coloc était même, what the fuck, je savais même pas qu'elle s'était inscrite pour aller à OD. Elle savait c'était qui par exemple quand même du tout. Oui, elle savait là. C'est juste qu'elle écoutait pas vraiment ça. Qu'est-ce que quelqu'un qui l'amène à ça en Afrique du Sud? Allez, arrête. Fait que, ben c'est ça, on m'annonce que je pars à OD. Puis ben depuis ce temps-là, ma coloc, mon ancienne coloc est accro à OD à cause de moi. Puis elle aime beaucoup OD maintenant. Ouais. Fait que, ben c'est ça, je te dirais. Quand t'es dans une dodo après ça, t'as fait comme. Là, je m'en vais vers les réseaux sociaux, puis c'est vraiment ça qui... Ben, tu sais, en même juste la manière que tu parles, comme acté, tu sais, t'es une fille full sociale, t'es peut-être comme, OK, je m'en vais là-dedans. Pis, oui. Ben, vu que je faisais déjà du YouTube avant, puis que j'étais full... Ouais, tu sais, moi, exact, les stories que, mettons, les gens voient, je faisais ces stories-là avant, dans le sens que... Moi, j'étais le genre de personne qui se filmait vraiment n'importe où, dans le métro, je me filmais quand je travaillais, tu sais, je racontais ma vie. Instagram, c'est mon journal intime depuis peut-être 5-6 ans. Fait que pour moi, quand je suis sortie d'OD, c'était pas nouveau. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, j'avais pas à jouer comme le rôle de « Oh mon Dieu, je deviens créatrice du contenu du jour au lendemain. » Ouais, puis souvent, on pense que... Tu sais, honnêtement, si par exemple, tu veux prendre la décision, je sais pas dans votre temps, mais nous, t'as pas une... il y a personne qui te force, qui tord un bras. Non, ça te tente ben pas, non. Ça te tente pas. Exactement. Là, après ça, c'est sûr que t'as quand même quelque chose, pis si tu veux le faire. Il y en a qui s'en foutent. Là. Ouais. Tu sors avec 100 000 abonnés, ça te dérange pas. Ben oui, il y en a qui s'en foutent. Mais faut que tu sois conscient quand même, par contre, de l'impact que ça peut avoir. Parce que, tu sais, il faut quand même que tu comprennes qu'en plus, au début, c'est amplifié parce que t'es les vues pis tout. Là, c'est épouvantable. Fait que, faut quand même comprendre l'ampleur que ça a, pareil. Oh, ouais, c'est intense. Pis, mais, tu sais, moi, ça a vraiment changé ma vie dans le sens que. T'sais, ça fait 3 ans que je fais ça. Ouais, ben dans le fond, ça va faire 3 ans en décembre, janvier que je fais ça à temps plein, puis je suis tellement heureuse là-dedans. Là. Ben, écoute, je capote ma vie. Puis honnêtement, aussi, t'as toujours le réflexe de prendre ton cellulaire et de te montrer ce que tu fais. Ça, c'est tout à ton honneur parce que c'est pas facile. Non, non, mais c'est vrai, il y en a pas 10, là, c'est tough, là, faut y penser. Même tu dis, je vais essayer de faire ça, parce que c'est pas donné. Non, ouais, je sais, mais je sais pas comment je... Tu sais, je pense qu'il y en a pour qui... Tu sais, il y en a qui sont faites pour être enseignants, il y en a d'autres qui sont faites pour parler à une caméra. Tu sais, je pense qu'on a toutes nos voix dans la vie, là. Ouais, dans le sens, c'est ça, puis... Moi, je considère que je suis vraiment... T'sais, moi, c'est ça qui me rend heureuse. En fait, moi, ça me fait du bien de parler à mon ciel. Je me sens pas toute seule. J'aime pas ça, la solitude. Ça me rend comme... Tu sais, j'ai habité toute seule, je pense... Mais ça se ressent à ce qu'il fait. Je pense que t'es proche de ton monde. Puis ah ouais, fait je les aime aussi, tellement, là. Ça t'attache à toi. Mais moi, je t'avouerais que j'ai comme un penchant pour les ados, là. On dirait que je les ressens tellement, les ados, sur ma petite plateforme qui viennent m'écrire. Ouais, ouais. Je sais pas, je suis comme... Ben aussi, avec ce que tu partages, puis on va en parler tantôt. Parce que je veux qu'on parle un peu aussi de tout ce que tu partages, parce que tu partages quand ça va bien puis quand ça va pas bien. Oui. Puis on va en parler tantôt. Mais là, j'ai un petit jeu pour toi. Oh non, qui reste peut-être un peu moins mémé, mais écoute, faut que tu comprennes que c'est pour le plaisir. Oh, Seigneur, c'est quoi là qu'on va faire là? Non, en plus, que je m'en vais à chaque fois que j'arrive là, je m'en vais dans le champ, tout le monde se demande où que je m'en vais. Mais ça va bien aller. En fait, ça s'appelle Vérité ou Manche. Puis ce qui est le fun, ce qui est drôle avec ça, c'est que toi, t'as pas pu écouter la première épisode parce qu'alors qu'on se parle, elle est pas encore diffusée. Non. Donc, elle sait pas tout à quoi. Qu'est-ce qui l'attend? Ben, je regarde quoi? Ah! Je te demanderais juste de prendre le bol bleu, s'il te plaît. Oh mon Dieu! Mais ouvre-le pas. Fais juste le prendre. Moi, là, c'est ça, je dis tout. Je suis tellement dédaigneuse comme c'est. Ben, je suis pas dédaigneuse, mais comme.
Matt j'ai tellement dit, le haut de cœur comme facile. Mais peut-être que tu vas aimer ça, puis j'ai pensé au fait que c'était VG, honnêtement. De quoi je vais aimer ça? Donc, si tu enlèves le couvercle. Oui. Tu peux le. Mais Fred, moi, je dis tout ouvertement, fait que c'est sûr que je vais te dire tout. Ben, j'adore ça. Ah, oh, il y a des questions. Ah, oh, oh! Ah, là, là! C'est quoi? Ça, c'est des anchois. Mais Chris, c'est pas VG? Non, mais Chris, c'est. Ben oui, c'est du poisson, là. Ben oui. Oh, c'est un VG. VG, ça mange pas de poisson, Fred. Ah, mais. Mais je suis pas VG. Prends ça, par exemple. C'est dégueulasse. À chaque fois de tabarnak, ça. Arc! Ok, fait que là, ça pue dans le char en plus de ça. Ok, fait que Cadillac sera pas fier. Non, mais avec Cadillac, ce qui est le fun, c'est que ça sent toujours bon. Oh oui! Oh! That's it! Hey, tu sais que le premier char que j'ai conduit, c'est une Cadillac. C'est quel modèle? Je sais pas. C'est mon beau-père qui avait ça dans le temps. Hey, genre je me promenais en Cadillac, ça, ouais. Ok, ça va être ta pime, là. Je faisais clairement ma pime, là. Je me trouvais bien haute dans ce temps-là, là. Oh! Ok, il faut pas échapper les anchois. Chris, non, là, par exemple, c'est vrai qu'on perd le contrôle. Ok, fait que je vais me tourner juste ici. J'aime ce petit segment. Je trouve que c'est rafraîchissant comme dans un podcast. En espérant que ça goûte pas si mauvais que ça. Mais là, tu dis ça comme si j'allais pas répondre. Attends un peu, t'as pas vu les questions, ma chérie, là. Ma chérie. Ok. Ma chérie. Et ça commence assez fort. Ça commence assez fort. Je vais juste me reculer parce que je voudrais pas. Comme qu'on vive quelque chose, un accident, là. Ben, je voudrais pas, moi non plus. J'en ai déjà vécu trois dans ma vie, ça me tente pas. Ah, oui, là, c'est trois accidents. Ouais. On en parlera, mais. Ben non, mais pas obligé d'en parler, là. C'est tout sur ma chaîne YouTube. OK. Donc, j'allais aller voir où. C'est ça. Bon. OK, ma première question, Claudie. Oui. Quel est l'influenceur québécois que tu aimes le moins? Oh. Oh mon Dieu, je trouve ça tellement difficile, mais comme. I guess, je vais manger. Mais, je suis vraiment fâchée que je m'attendais pas à ces questions-là. Elle t'attendait à quoi? Ben, je m'attendais à que tu me dises avec combien de personnes as-tu du sexe, genre. Mais comme, pas que j'aime le moins. Parce qu'on dirait que je peux-tu dire de quoi avant de manger? 100%. Parce que je vais manger vu que je te dirai pas non. Okay. Mais la raison pour laquelle je te dis pas non, c'est que moi, je considère que mon travail, je veux encourager toutes les gens qui sont dans le même travail que moi. Fait que je vais jamais. Moi, je vais jamais bâcher, ouais. Puis je vais jamais encourager le fait de descendre un autre influenceur parce que moi, j'aime moins ce qu'il fait. Ouais, je comprends ça, ce que tu veux dire. Je pense qu'on a tous, chacun, des influenceurs qu'on aime, d'autres qui nous rejoignent un peu moins. Est-ce qu'il y en a que j'aime pas? Non, parce que j'ai pas eu de beef vraiment avec quelqu'un. Ben, à part GNT, mais c'est pas moi qui a créé le beef. Ouais, c'est lui qui a créé le beef, mais ça s'est créé. Ça s'est réglé. Ça s'est créé. Ça s'est réglé. Créé et réglé. C'est ça. Ça s'est réglé, mais c'est pas, tu sais, je l'aime pas moins pour autant, là. Au contraire, moi, je pense qu'on a toute notre place sur les réseaux sociaux. Mais, on continue de parler après, genre. Ah ouais, mais écoute, inquiète-toi pas, si jamais t'es plus capable, il y a de l'eau dans ta porte. Mais attends, je suis pas obligée de tout manger ça. Non, une bouchée. Moi, je te mange juste une bouchée. Parce que griffe, sinon, c'est vrai que tu vas avoir mal au ventre. Veux-tu goûter avec toi? Ben, si tu le prévois. C'est dégueulasse. Attends, je suis pas capable! Vas-y, one take. Seigneur. Vas-y, marche. Bouge-toi. T'as de l'eau dans ta porte, jamais tu veux. Ça, on peut aller. Ok, c'est bon! Ok, deuxième question! Ah, je pue de la gueule! Ah, Seigneur, oui! Ok! C'est vraiment dégueulasse, cette affaire-là! Deux autres questions, ok? C'est quand même bon, ok? Quel est l'âge de ton plus vieux partenaire que tu as eu? La différence d'âge, parce que je comprends que là, t'es en couple et tout, là. Ouais. Et mettons, si t'avais 20, il y avait 54. Là, il crée jamais de la vie. Non, moi, non. Les vieux, ça m'attire pas plus que c'est ça. Bon, mettons, la plus grande différence d'âge, je pense, c'était 8 ans. J'avais 20 ans. Chris, attends un peu, là. Je pensais que t'allais me dire j'avais 8 ans, là. Je l'ai calé. Non. C'est la différence d'âge, j'ai 8 ans. Fait que dans le fond, je pense que j'avais 20 puis le gars avait 28. 20, gars 28. Ok, bon, c'est dégueulasse. Y'a-tu tout? On le salue. Oui, je n'entends pas. C'est tellement j'ai pensé à tout. Il était tellement fucké en plus, là, un méchant trou croche. On le salue à la maison. Oui, on salue Vincent à la maison. On espère qu'il va bien et qu'il écoute notre podcast. All right. Troisième question avant mon autre segment. Là, j'ai essayé d'en pogner un bon. Ah, ça serait bon, ça. Quel est le DM le plus embarrassant que tu as reçu? Mm-hmm.
genre que t'as fait comme ah, ça c'est trop. C'est sûrement que tu reçois. Bon, j'en reçois tous les jours. Ouais. Mais moi, je te dirais là, que qu'est-ce que je trouve vraiment étrange. Je me fais demander des fois. Salut. Genre, à un moment donné, j'avais reçu un message d'un monsieur là, comme qui me disait qui me demandait si j'étais intéressée à lui envoyer des photos et vidéos de moi en échange d'argent, genre. Okay. Comme un peu sur OnlyFans, mettons. OK. Fait que tu sais. Mais moi, il était sérieux. Dans le fond, lui, ce qu'il voulait, c'est que toi, tu sendes des photos, lui, t'envoies de l'argent. Ouais, mais lui, il m'écrit, puis il me dit genre, « Salut ma chérie, comment vas-tu? Écoute, ne le prends vraiment pas mal. Je te le demande parce que je trouve vraiment que tu es une merveilleuse personne. J'ai vu que tu n'avais pas de OnlyFans, alors je voulais voir la possibilité avec toi de m'envoyer des photos coquines de toi. Oh shit, OK. Ouais, fait que là, bah, j'étais comme, OK, non, c'est pas vrai. Ah ouais, la même chose. Alright! Non, pour vrai, ben, tu sais, je réponds pas à ces messages-là, mais tu sais, c'est tout le temps des fois, mettons, là, quand je publie, genre, des affaires, mettons, ce que je suis en maillot de bain, il y a, genre, tout le temps le vieux Denis, ah, genre, qui m'écrit, bon puis qui est comme, combien de poitrine, genre. Ça n'a pas de bon sens, là. Je sais. Comme, juste comme, en passant, j'ai dit Denis, mais Denis, c'est le nom du père de mon chum, mais il est comme, ouais, non, c'est pas vrai. Les Denis, non, on va dire, genre, Marcel, ouais. Mais comme. Ah, Marcel, c'est mon voisin, okay, non, mais d'abord, Régent. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est tout ça des demandes sexuelles ou des trucs genre vraiment whack ou genre tu sais mettons si un jour ton chum ne te satisfait plus tu peux venir me voir on va régler ça là, je te même. C'est comme si t'allais faire genre oui je te mets dans les notes. Moi oui là tu sais ça hey, moi je suis comme hey, yes, ce gars-là m'excite tellement de m'écrire ça tu sais je suis comme hey, tu sais je comprends pas ce qu'ils ont en tête le monde qui pense que c'est attirant de dire ça. Ou juste envoyer ta queue, là, je comprends pas. Ah, ouais, ouais, hey, même pas de salut, tu sais, au pire, salut, puis après ça, tu vas voir. Ah, ben ça m'arrive très souvent, tu sais, quoi, à un moment donné, je me suis fait envoyer une par courriel. Ok. Parce que j'avais bloqué le gars, parce qu'il arrêtait pas de m'en envoyer. Ok, ça, c'est comme je veux t'avoir. Ben oui, et là, j'étais de même, ok, ben merci. Pourquoi on s'en va au Tim Hortons? Là, Claudie! Ah, c'est-tu sponsorisé par Tim Hortons? Non! Ah, donc on les aime pas, non? Ok, ben là, non, mais là, c'est l'heure de la pause café! Podcast. Écoute, je l'aime. Je suis content que t'aimes ça. All mais right. Vraiment, je trouve que c'est entertaining. Ah, oh, mais, alright, j'aime ça. C'est bon. Mais là, écoute, c'est fait que j'en choisis. Mais j'en je suis... T'as quand même mangé parce que je tiens à dire que Matt Duff a pas mangé. Pourquoi? Parce qu'il a tout répondu. Il a même répondu à qui t'aimes plus entre ton père et ta mère. Hein? Ah, y a-tu dit sa mère? Non, il a dit un peu des deux, puis il a expliqué des affaires. Il y a un politicien. Oh mon dieu. Fait que là, c'est quoi? Là, dans le fond, moi, je prends ce que toi, tu prends. C'est ça le but. Fait qu'on peut en dire beaucoup. Tu tellement plein. Dis-moi pas une bouteille d'eau. Non, c'est pas ça. Ok, je vais te dire. Allô? Dans le fond, ça va être un moyen café glacé sans sucre. Wow! Puis on va remplacer la crème par du lait d'avoine. Ça va être deux fois. Deux fois comme ça? Ouais, comme ça. Wow! C'est correct. C'est tout, non, merci. C'est tout. Parfait, wow! OK, c'est shit! C'est ça ma non, commande, non. C'est plate, hein? Non, c'est pas plate pantoute. Pour vrai? C'est... Honnêtement, c'est exactement dans mes veines. Lait d'avoine, café glacé. Café noir. Moi, ben, en fait, là, c'est avec du lait d'avoine, mais. Tu t'es senti un peu plus, facile. Oh, check le DJ! Oh, tu le vois pas? Oh, on le voit plus. En tout cas, il était trop cute. Moi, mon père m'a tout le temps dit, si tu bois pas ton café noir, c'est que t'aimes pas le café. Fait que depuis, ben, genre, si tu bois ton café avec full de sucre. Ou que t'es psychopathe. Moi, c'est oui, ce que j'entends. Oui. Genre, ma mère, quand j'étais jeune, elle mettait genre 6 cuillères de sucre dans son, elle monte pas ta carte bizarre, hein. Non. Donc le numéro est 4, 5, 6. Oui, c'est pour tous ceux qui seraient intéressés à se commander ça, du café. C'est niaiseux, mais t'as raison. Ben moi, tu sais quoi, je le sais parce que... Non. Ben non, mais dans des vidéos YouTube, des fois, j'ouvrais des colis. Puis là, des fois, je me rendais compte que mon adresse est là. Mais c'est correct, avec l'option YouTube, tu peux flouter. Mais tu sais, tu t'en rends pas compte. Si tu le sais pas, tu le sais pas. Ouais, ouais. Fait que fais attention, Fred. Je comprends, je suis une même personne. Va me frauder. Non, c'est ça. Fait que toi, c'est dans tes veines, là. Le l'avoine? Ben oui, mais j'ai vu avec Ali que t'aimais pas tant le pumpkin spice. Tu trouvais ça un peu sucré, hein? Ouais, ben c'est parce que tu trouves comme pas assez. Mais peut-être que la prochaine fois, je prendrai juste un petit jet. Tu sais, tu peux choisir. Ouais. Tu mets moitié sucré. Moi, c'est ça que je fais. Tu dis moitié sucré? Ouais, tu dis mi-sucré, puis au lieu de mettre 4 pommes, en mettre 2. Mi-sucré. Mais tu sais, parce que je trouve que commander là-bas, c'est.
C'est une expérience. Ah, ben, mon Dieu, mais oui. Mais c'est aussi, c'est, faut quasiment un bac, là. 100%. C'est comme style Christ. Genre, mezzo, genre, ils savent même pas ce que ça veut dire quand tu leur dis médium, là. Il faut que ça soit, genre, un venti, genre. Ah, ouais, c'est ça. Puis tu te mets avec Ali, tu passes une bonne demi-heure quand même. Ah, ouais, ben, elle, il va souvent au Starbucks. Il reste deux jets de ça, un peu de ça. Je vais essayer de me faire passer par Alicia. Un peu de côté. My lullaby, fuck you and you. Écoute, honnêtement, c'est presque pareil. C'est ma tune préf. Ah oh, ouais, t'aimes ça? Ouais. Bonjour. Allô. Bonjour. Salut, les deux moyens, là, oui. C'était avec le lait d'avoine, mais il y avait moins de sucre. Bonjour. Pas de sucre pantoute, dans les deux. Sucre? Ouais. Pas de sucre. Okay. Café noir avec du lait d'avoine. C'est ça. Les autres nous ont mis. 5,27. Oui, ça va être sur la carte. Voilà. C'est ça, Fred, tu voulais pas que je paye? Ouais, honnêtement, on t'a un peu serré, donc. C'est ça. Notre deuxième épisode, là, quand même. Mais... On commence à être serré. On n'a pas le budget d'une émission. Eh, hey boy, en plus, ça coûte tellement cher, starter un podcast. Ouais, mais tu sais, il faut que tu fasses ça. Mais c'est le fun, tu sais, ça, tu le fais pas pour l'argent, là. Puis clairement, on a du fun, là. Ouais, moi, je passe un très bon moment. Ben, je suis content de ça, là. Et en plus, j'en viens pas qu'on fasse un arrêt café, comme ça, ça me plaît tellement. Puis, un peu, là, il y a une expérience à ça aussi, là. Bon. Après, on va vivre quelque chose avec ça, là. C'est pas juste sûr, là. Puis il y a une question du public. S'il vous plaît, là, on va pas aller donner des compliments aux gens dans la rue, là. Ça, c'est l'étape, c'est l'attitude numéro 4. Hey, parce que je le fais tout le temps dans mes. Ah, ouais. Hey, dans des vidéos YouTube, des trucs, genre, il fallait que je fasse ça parce que j'avais demandé à des gens de contrôler ma journée. Puis à chaque fois, ils me disaient, on va donner des compliments aux gens dans la rue. Hey, c'est fucking gênant, là. J'ai jamais vu ça. C'est ta broche de Nancy, 52 ans. Hey, j'aime vraiment vos pantalons. Elle doit être comme un stamien, celle-là. Ok, mais tu le fais, après ça, tu t'en vas, tu dis pas. Ben oui, puis je me filme, genre, de même, puis je fais ça en main. Oh shit. T'essayeras, ça va être drôle. On a une fan qui veut prendre le parce que t'es passé hier, ouais. Mon ami. Ah, t'es passé avec ma gueule, ouais, ça. Avec ma amie, j'essaie de la convaincre de revenir travailler au team, puis elle flippe sur toi, fait que je vais y rencontrer. Merci. Hey, merci. À la prochaine. Hey, passez une belle journée. Salut. Salut. Bye bye. Eh ben, oui, je sais qu'on fait pas de la pub pour ça, mais tes bijoux sont fucking sacoches, hein. Ah, mais merci. Genre, vraiment, là, tu devrais être fier de toi, de ta compagnie. T'es donc bien gentil. Je trouve vraiment que c'est beau. On essaye de faire différent aussi. Faudrait vraiment que Matt aille ça. Je trouve ça tellement beau, des bagues. J'espère bien. Tu vas même avoir un petit cadeau, là. Fait que. Oui! Ça va me faire plaisir d'en faire un à Matt. I love it! OK, fait que là, c'est quoi, là, la pause café, là? Je t'explique. En gros, là, on s'en va se stationner. OK! Et c'est un moment, puis écoute, je veux que tu te sentes bien à l'aise, je vais te poser des questions peut-être un peu plus... tu sais, je veux que ça soit comme vibe autour d'un café. J'aime ça. J'aimerais ça qu'il y ait un feu, mais comme on n'est pas rendu là. Ouais, malheureusement, hein, le budget le permettait c'est pas. C'est ça, malheureusement. Non, à côté d'un auto, c'est dangereux. Mais c'est ça, fait que je te pose des questions un peu plus, je dirais, deep, là, tu sais, puis on jase. Là, mais... Moi, j'adore le deep talk. Fait que, ben, ça, je sais, en plus, c'est avec podcast perception, allez voir ça. Oui. Claudie, moi, je te jure, là, je veux juste prendre un rapidement. Là. Mais j'ai écouté ton podcast quand j'ai fait un peu de recherche sur toi, quand je savais que t'allais venir. Puis honnêtement, j'ai vraiment un coup de cœur parce que je trouve ça vraiment cool que tu vas chercher des sujets que personne parle vraiment. Puis la c'est façon aussi que tu le fais, c'est du monde qui le vit. Fait que la façon que tu l'amènes, tout, bref, allez voir ça. Perception, podcast de Claudie, j'adore. On n'a pas le même genre de podcast du non, tout. Non, vraiment pas. Mais écoute, c'est ce qui fait que le monde, ils peuvent écouter plein de choses. On dirait que t'es parqué croche, non? Ben, honnêtement, la grosseur, ça l'a. OK, ouais, c'est vrai. OK, ça donne genre l'excuse de la grosseur, là. C'est ça. OK. I love coffee. Qu'est-ce que c'est question du public un peu, toi, là? Mm. Donc, moment café avec Claudie. Puis pour les gens qui n'ont pas écouté la semaine dernière, parce que là, c'est le début quand même, ouais. Juste expliquer un petit peu le concept. Donc là, c'est un moment où je vais poser des questions un peu plus deep à notre chère Claudie, mais c'est pas assez le fun de rentrer là-dedans. J'adore. Je voulais faire ça autour d'un petit café. On a pris un café froid, par contre, ça a été... Mais c'est pas grave. Excuse-moi. L'important, c'est le moment. T'sais. J'ai chié ça. Donc, Claudie, je sais que t'es ouverte là-dessus par rapport à ton trouble d'anxiété. Comme... par rapport à ton trouble d'anxiété, que t'en mm-hmm. parles quand même ouvertement, puis tout, puis ton podcast La Perception, oui. qu'on adore. Tu sais, je veux juste savoir par rapport... Tu sais, moi, j'ai sorti d'OD, puis... Je pense que peu importe comment tu sors, que ce soit beau ou mauvais, mm-hmm. Je pense que tu fais de l'anxiété. En tout cas, sinon, ouais. Il y a du monde qui dit ça mieux. Là. Je voulais savoir, toi, comment ça avait été? Ça devait être capoté, là. Genre, comment t'as vécu tout ça? Moi, je l'ai très bien vécu, tu vois. Ah, parce ouais. que je vais t'expliquer. Oui, je suis une personne qui est vraiment anxieuse. Excuse-moi, Mon c'est... Dieu, c'est le moment Cadillac! Non, moi, quand je suis sortie, j'ai vraiment adoré. Il y a juste une partie où ce que j'ai moins adoré, ça m'a fait faire de l'anxiété, puis je capotais. C'est quand que, tu sais, Matt et moi, on est sortis en couple.
Puis on dirait que le plaisir des gens quand tu sors, c'est de briser ton couple. Ils veulent, on dirait... Attends un peu, je veux pas mal m'exprimer, mais... On dirait que les gens recherchent les potins de genre, hey, les couples sont plus ensemble. T'sais, on dirait que c'est comme un hype quand les couples sont plus ensemble. Ou genre, OK, ça va durer telle semaine. Ça va durer. Le monde gageait, là. Genre, ils écrivaient dans nos publications, dans deux mois, ça va être fini. Oui, je comprends ce que tu vis. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, je trouvais que les gens prenaient un malin plaisir à tout le temps regarder mes trucs pour voir si Matt puis moi, on est encore ensemble. Ouais. Fait que, tu sais, moi, ça, je t'avouerais que j'ai trouvé ça difficile parce que moi, j'aimais beaucoup Matt. Matt, il m'aimait beaucoup. Fait que, c'est comme, je trouvais ça dur de voir que les gens croyaient pas nécessairement comme en notre couple. Mais en même temps, il y a 95% des gens qui y croyaient, puis... Ouais, c'est ça. C'est juste que tu vois, on a tendance à regarder le 5%. Exact, malheureusement, tu sais. Puis à un moment donné, il y avait Matt qui était sorti au bar, mais j'étais pas là. Puis là, il parlait à une fille, puis... Oui, je me souviens de ça, de la photo, là. Oui, c'est ça. C'était comme une photo vidéo. Puis là, les gens... Je me rappelle, j'étais comme 11h30 soir chez nous, puis là, tout le monde, back à back, m'envoyait des vidéos de cette vidéo-là. Puis là, tout le monde disait, ils s'embrassent, puis je suis comme, mais la gang, first of all, vous partez des fausses rumeurs, parce qu'on voit clairement sur la vidéo qu'ils s'embrassent pas. Je me souviens plus exactement du vidéo, mais je me souviens de comme tout ce moment-là. C'était genre qu'il donnait un câlin à la fille, puis tout, puis il la connaissait avant. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'était comme une de ses anciennes fréquentations. Puis justement, elle, ce soir-là, tu sais, elle avait besoin comme de... Tu sais, je la comprends, là. Elle avait besoin de se faire rassurer parce qu'elle était comme, tu sais, moi, je t'aimais beaucoup avant que tu partes. Puis, tu sais, là, Matt, tu sais, il est full collu, Matt. Fait que, tu sais, moi, pour ça, j'en ai pas voulu. Mais on dirait, vu que le fait que les gens m'envoyaient des trucs puis disaient, Matt, c'est un trou de cul, Matt, il est pas correct envers toi, Matt te trompe, nanana. Là, moi, j'étais de même. Il est 11h30 le soir, je capote, là. Tout le monde m'envoie ça. Puis des gens qui sont pas au bord, là. C'est des gens qui. Ouais, je comprends. Ça va vite, c'est boule de neige. Ben, tu sais, tu le sais, anyway, là, tu l'as vécu. Fait que, tu sais, je suis comme... Ça, c'est vraiment la partie que j'ai trouvé ça tough. Mais après ça, ça s'est vraiment réglé. Parce que moi, mon anxiété est vraiment liée au fait que... j'ai peur de mourir. OK, ah ouais, c'est vraiment... Ouais, ben, mettons, moi, mon anxiété, ça a tout le temps été par rapport à... Avant, j'avais une extra grosse phobie. C'est vraiment bizarre, dit de même. Je suis tout le temps gênée de le dire, mais avant, j'avais une grosse phobie des maladies cardiaques. OK, ben non, mais je peux dire, c'est des fois, s'il y a des phobies qui sont pires qu'à ça. C'est ça, ouais, mais tu sais, en tout cas, fait que j'avais vraiment cette phobie-là. Fait que pour moi, mon anxiété, ça a tout le temps tourné autour des maladies, autour de... Pas mettons, les maladies style gastro-COVID, là, plus, mettons, maladies que j'ai pas le contrôle dessus, comme les maladies cardiaques ou genre mort. Ouais, c'est ça, tout ça. Fait que je t'avouerais que moi, c'est ça, mon anxiété. C'était pas nécessairement OD ou comme l'après-OD, parce que l'après-OD... Le fait d'être dans une foule aussi. C'est ça, mais moi, l'après-OD, j'ai vraiment aimé ça, en fait, parce que je trouvais que les gens... La plupart du temps, les gens sont super gentils, tu reçois de l'amour pis tout. Il y a juste cette partie-là que ça a été comme tough, les petits scandales d'ici là. Ben, tu sais, ça m'amène un peu à te poser la question par rapport à... Tu sais, on a bien beau dire que oui, c'est beau, mais ça risque que ça vienne des commentaires négatifs. Un énorme, plus que tu viens gros, plus que aussi des négatifs. Ben oui, ça fait partie de la game. Toi, est-ce que tu t'es donné des trucs ou comment tu gères ça par rapport à ce concept-là de recevoir des... Parce que, tu sais, moi, je pense que ce qui est le fun, c'est que, ben, en tout cas, pour nous, je vois pas Claudie Daudet, mais je vois Claudie Mercier. Ça, c'est cool que tu réussisses à faire ça. Mais c'est vrai, au début, c'est pas facile, tu sais, de sortir de ça. Fait que là, t'es rendu peut-être ailleurs que par rapport à ça. Évidemment, ça va toujours rester pareil. Oui, ça mais moi, je suis contente que ça fasse partie de mais moi. Mais oui, ça fait partie de tout. C'est ton histoire. Comme tu me comptais pour ton parcours avant versus aujourd'hui. Exact. Ça fait partie de ton parcours, on vous dit, là. Fait que, mais comment tu deals avec ça, ces commentaires négatifs, là? Ben, je t'avoue que depuis le début, ça va mieux qu'avant. Moi, j'ai tout le temps eu de la misère parce que je suis une fille qui aime ça plaire à tout le monde. Ouais. Je suis une fille, on dirait, qui aime tout le monde, comme un peu, j'essaie de le dire. J'aime pas la confrontation. Puis des fois, on dirait que je sais que c'est cave, c'est peut-être genre bizarre dit de même, mais des fois, on dirait que je comprends pas ce que je fais de mal pour pas que les gens m'aiment. Puis je me rends juste compte que des fois, c'est juste une question de valeur, d'opinion, puis c'est bien correct. Tu peux pas être aimé par tout le monde. C'est que c'est ça que j'ai compris, puis j'ai compris que même si j'étais genre Mère Teresa ou peu importe qui que j'allais être, ben il va tout le temps avoir des gens qui vont me dire des mauvais commentaires. Fait que tu sais, je t'avoue que vraiment, moi, les plus grands trucs, ça a été vraiment le temps. Vraiment de plus en plus que t'en as, de moins en moins que ça t'affecte, j'ai l'impression. Mais aussi d'accorder de l'importance aux beaux commentaires. C'est que après que tu lis un mauvais commentaire, ben lui d'en dessous, il est positif. Puis ouais, mais faut que tu te fies sur ça. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est tellement vrai. T'as 20 commentaires.
Ah non, c'est beau, là. T'as un commentaire, puis c'est lui, tu bats sur lui, puis c'est... Mais moi, tu sais, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là, puis ça, c'est, ça a vraiment été mon truc. Mettons, quand je faisais un scandale ou quand je faisais une petite controverse... Une... Mais tu sais, quand je faisais des petites controverses, ça faisait parler, au lieu de me fier à ce que les gens me disaient, je me tournais beaucoup vers mes proches. Fait que moi, je suis le genre de personne qui fait beaucoup d'introspection sur elle-même. Fait que, mettons, je parlais à Matt, j'appelais ma famille, je leur disais, tu sais, est-ce que t'as l'impression que j'ai fait quelque chose de mal? Parce que c'est eux qui me connaissent, c'est vraiment pour vrai. J'appelais mes meilleurs amis. Puis, c'est si mes meilleurs amis ou mes parents me disaient, ben voyons, Claudie, on le sait que t'as pas voulu mal faire, on le sait que comme, c'est tellement pas ton genre, puis tout. On dirait que je me fie beaucoup plus à mes proches. Ben, c'est eux qui te connaissent. Puis, encore là, il faut que tes proches te disent vraiment ce qu'il y en a. Puis, c'est faut que tu sois. Ah, mais ils vont tout le temps être honnêtes. Ce que tu viens de me dire, c'est ça. Puis, ça, c'est vraiment cool. Mm-hmm. Parce que si tu vois que t'es un de tes proches est comme, ah, là-dessus, ben, au moins, t'es capable de. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je te dirais que d'aller voir mes proches, ça m'a vraiment beaucoup aidé de, comme, accorder de l'importance aux gens qui sont proches de moi et non pas aux gens qui voient une partie de moi, mettons. Puis, tu sais, comme, probablement, t'es proche de, ben, t'es proche de Matt, évidemment, parce que vous vivez tout ça à deux. Ah, ben oui, 100%. Puis, mais comment tu vis le fait de, comme, ta relation amoureuse, tu peux pas, tu sais, toi, t'as jamais pu, en fait, avoir l'intimité là-dedans, parce que tu l'as vécu à OD, tu sais. Vous êtes formé au grand public. Ouais. Vous le vivez au grand public. Tu partages tout de ta vie. Mais comme, des fois, est-ce que tu trouves ça tough de vivre tout ça? Parce que, André, tu te sens probablement obligé, des fois, de dire ta situation ou, Je te dirais que, genre, dans le sens, pour que ça soit comme clair. Couple, là, eh ben, tabarnak, oui, là. Moi, il me tape ses nerfs, puis je le tape ses nerfs, là. Hey, voyons. Hey, puis ça, ça m'énerve tellement dans le sens que on est tellement pas parfait, puis je le dis tellement. Tu sais, les gens, mettons, qui vont dire, hey, vous êtes tellement parfait, je suis comme, hey, mon Dieu, si vous saviez à quel point on est zéro parfait. Mais comme tout le monde, Chris, là, tu sais, je veux dire, t'inventes pas à roue, là. Il y aura jamais une relation où tu vas être à 100% comme parfait, tout beau, c'est pas ça, c'est une relation. Je te dirais que le plus difficile que je vis en couple, c'est que Matt pis moi, on est zéro pareil. Dans le sens, on est pareil niveau énergie, niveau, tu sais, comme on est heureux de vivre pis tout. Ouais. La seule affaire qu'on est différent, c'est que Matt, lui, il est très cru, très honnête, très sec. Moi, je suis le genre de personne qui passe par mille chemins avant de dire ce que je dis. Je suis quelqu'un qui va vraiment penser tout le temps aux autres. Fait que, mettons, si Matt, il dit à lui, il a l'air nous, mettons. Mais c'est fou comme à Matt, il peut dire quelque chose, c'est-tu, puis après, il fait comme, ah, Chris, pourquoi j'ai dit ça? Genre, c'est fou, je là. Sais, il fait tout le temps ça, mais comme il recommence tout le temps. Ouais. Fait que ça me gosse. Ouais, c'est comme, ça, pourquoi c'est tu recommences? Ouais, exactement. C'est ouais, ça. Fait que, tu sais, lui, c'est comme tout le temps ça. Fait que je te dirais que le plus difficile, c'est de dealer avec le fait que tout le monde vient m'écrire pour me dire « Ton chum, il a dit ça de telle personne. » Je suis comme « OK, mais tu sais, mon chum, il dit ce qu'il veut. C'est ses affaires. » Tu sais, je suis pas... Je suis une personne à part entière. C'est une personne à part entière. Puis moi, ça me stresse quand les gens viennent me voir pour me dire « Oh my God, t'es tellement plus fine que ton chum. » Non, non, non. Parce que je suis comme... Tu sais, vous le connaissez pas. Oui, vous le connaissez sur la sphère de « Il y a une caméra, puis il est moqueur, puis il aime genre niaiser, puis dire de la merde, puis dire des niaiseries. » Puis oui, c'est vraiment, tu sais, même moi, là, tu sais, je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Mais comme, dans la vraie vie, là... Chacun, mais c'est... oui, c'est ça. Fait que tu sais, des fois, je trouve ça juste bizarre que les gens viennent m'écrire pour me dire que mon chum a fait de quoi, quand que ça me concerne pas. Moi, ça fait juste le concerner lui. T'sais, écrivez-lui à lui si ça vous dérange. Ouais, c'est ça. C'est... Pourquoi ouais, moi? T'sais? Je comprends ton feeling. C'est comme le monde, il m'associe un peu à la fine du couple. Puis Matt, c'est comme le méchant, si on veut, du couple. C'est comme... Pas besoin de faire ça. C'est ça. T'sais, c'est comme... Je trouve ça plus plate à ce niveau-là d'être associé à ça. Mais sinon, t'sais, j'ai pas de pression à me dire oh, on doit rester ensemble à cause que on doit de quoi aux gens. T'sais. Ouais. C'est vraiment... On vit notre vie autant avec les réseaux qu'à l'extérieur des réseaux. Mais tu sais, des fois, les gens oublient qu'on n'est pas un duo, qu'on est... T'sais... Ben, c'est ça. Oui, on est un duo, mais on est aussi deux personnes en parlant. Exact. Puis tu sais, c'est ça, comme je t'expliquais, le fait que vous l'avez comme vécu au grand public... Tout de suite, c'est... Ouais, c'est ça, exact. C'est fait ça. Que tu sors, puis t'es comme, ben, tu sais, c'est... Le monde veut... Comme tu disais, le monde veut vous voir séparés, mais en même temps, le monde veut toujours un update. Fait que... C'est ça. C'était tout pour la petite pause café. C'était super fun. Ouais, t'aimais ça. Vraiment. Cool. Puis en plus, j'ai un café, fait que moi, je suis très satisfaite. Ah, ben, écoute, merci, Claudie, pour vrai, de t'avoir ouvert à nous. Mais ça fait plaisir. C'est fini, n'importe quand. Allez voir sur ma chaîne YouTube, je m'ouvre tout le temps. Non, mais c'est vrai, si je... Donc là, c'est les questions du public. Wouh! Le public! Ma partie préférée. Non, c'est pas vrai. Ben... Toutes mes parties sont préférées. Elle a mangé quand même des anchois, on se rappelle. Je comprends que c'était pas ta partie préférée, mais c'était la nôtre. donc, OK, les questions du public. Et j'ai les noms avec ça, c'est ça qui est le fun. Ah, donc, pour vrai? Ben oui, j'ai les noms. Et puis, honnêtement, il y en avait anti-pêché. Donc, oh, c'est vrai?
Puis je te prends en parenthèse par rapport à ça, honnêtement, si vous voulez, toujours, moi, à chaque fois que j'annonce un candidat, un candidat, je parle à Gogo. Un candidat. Non, un participant, un invité, ben, écrivez-nous les questions. Vous pouvez, si vous en avez aussi en temps et lieu par DM, il n'y a pas de stress. Sinon, ben, quand je lance ça, ben, n'hésitez pas à écrire vos questions, c'est le moment. Voilà. OK, donc on a Coralie qui demande. Coralie. Puis ça, ça a été demandé aux deux invités, c'est cool pareil. Qu'est-ce que tu as fait le plus fou en amour? Le plus fou en amour? Ouais. OK, c'est quand même. Genre, tu as fait comme ça, je fais ça pour Marthe, mais genre, de façon positive, tu sais, genre, des pétales de rose étalées, ça. Ben, OK, bon. Il y en a, c'est la base, par exemple. Mais non, comme... j'aurais deux trucs à donner, mettons. Deux trucs à dire. J'en demandais pas autant, vas-y. Non, mais c'est ça. Non, mais la première, c'est que Matt, il m'a demandé en fiançailles il y a 2 ans, en décembre, il y a 2 ans. Et il n'y avait pas de bague, puis il me disait tout le temps, je veux avoir ma petite bague, moi aussi, tu sais. Puis moi, ça faisait partie de mon. Ah, c'est cute, ça. Tu sais, je voulais absolument qu'il y ait une bague, là, tu sais. Qu'il voie, hein, les filles. Touchez ça, aussi. Non, non, il se fait pas tant croiser, c'est correct. Les filles ont peur de moi. Ouais, mais... Non, non, mais pour vrai, il voulait vraiment sa bague. Puis Matt, comme on l'a dit, il est tellement naïf, puis il se rend compte d'absolument rien. Genre, moi, je disparais pendant 12 heures, puis clairement, je me fais tuer avant qu'il me retrouve. Non, mais pour ben okay. Oui, mon Dieu, lui, il est TDAH à fond. Fait que ben, je me suis dit, hey, moi, tout, je vais lui demander, là, va le demander en fiançailles, je vais faire la même affaire. OK! Ouais, fait que j'ai... Fait que tu vas pas juste, genre, il sonne la bague sur le bord du comptoir, je vais faire... Non, 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 okay. Vraiment pas. Je suis quand même quelqu'un qui aime le romantisme. Puis j'aime surprendre mon partenaire. Puis on inverse les rôles aussi, ça j'aime ça. Oui, vraiment. T'sais. Mais je t'avoue par contre que je l'aurais pas fait en premier. Non, je sais pas pourquoi. J'ai tout le temps, c'est comme peut-être un petit rêve de petite fille que j'avais de me faire demander en fiançailles. Fait que là, le fait qu'il l'avait fait, ben moi j'étais comme ah bon, mais ben, je vais le faire à mon tour. Fait que tu sais, justement, j'avais comme écrit un beau petit journal, puis tout. J'avais comme fait une petite vidéo de comme notre amour, puis tout. Là, il est vraiment cute, il est comme disponible sur Instagram, puis tout. Puis je la regarde quand même assez. C'est souvent quand je veux être émotive, mettons. Ah, c'est cool, ça. Ouais, ben c'est parce que nous, notre amour a été vécu à télé. Fait que c'est comme tellement cool. On a plein de beaux moments ensemble qu'on a vécu. Fait que voilà, je l'ai demandé en fiançailles. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça, le truc, le premier truc vraiment principal que j'ai fait le plus fou pour en amour. Le deuxième, c'est vraiment bizarre. Ben, en fait, Alicia, elle va comprendre. Matt, lui, il a peur de rien dans la vie. Okay. Moi, au D, j'ai sauté en parachute, à occupation double, en parachute. Et Matt, ce que j'aime de lui, c'est qu'il est quand même bon dans mon anxiété. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est justement sec, chose, ça, qui est comme... Ouais. Oui, c'est quelque chose, tu sais, il n'a pas trouvé ça facile. Non. Tu sais quoi faire ici? On lève les pieds! Oh, yes! Ça me souvient de moi, je t'ai dit. Hey, c'est ça, j'en m'en souviens. Fait qu'en gros, à OD, on s'est fait annoncer qu'on allait sauter en parachute, puis moi, je pleurais, je voulais tellement pas le faire, mais regarde, j'étais comme, hey, Matt veut tellement le faire, puis je veux qu'on vive ça ensemble, fait que j'ai fait, sais-tu quoi, je vais éprouver, esti, que moi aussi, je suis hot, puis je vais le faire. Fait que je l'ai fait. Ah, ben là, arrête, là, donc, c'est cute. Je l'ai fait, ça a été la plus belle expérience, encore une fois, une autre belle expérience de ma vie, puis je l'ai refait une deuxième fois, il y a un an, en fait. J'ai sauté 2 fois en parachute. Ah, mais c'est tellement... C'est fou! Je pense que tu fais 2 fois aussi, parce que la première fois, là, tu le vis, mais on dirait que ça va tellement vite que là, je pense que je l'apprécierais plus. Là, ah, mais tu vois, j'ai plus aimé la première, moi, par exemple. C'est beaucoup plus un thrill, parce que la deuxième fois, tu sais trop à quoi t'attendre. Ouais, je comprends, Fait que t'es comme... C'est comme moi, la deuxième fois, je trouvais, vois-tu, que la chute libre, c'était long. Puis j'étais comme, c'est quand qu'il va ouvrir le parachute? Ah, ouais, OK, moi, c'est la chute libre que j'aime, Chris. Ben oui, mais moi, toi, c'est ça que j'aimais. C'est juste que là, j'étais juste comme, mais semble que c'est plus long que la première fois. Okay. Puis là, j'étais comme, y'a-tu un problème de parachute? OK, donc, OK, je comprends. C'est plus de même que tu le vois, parce que la première fois, tu sais pas, tu vas être combien de temps chute libre, vraiment. Ou tu t'en rends pas trop compte parce que t'es trop... Genre, excité, pis tout. C'est quand même 30 secondes que t'es comme bang. Exactement. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est ça, je te dirais. Ben, écoute, merci. Coralie va être super contente d'entendre ça. Ah, ça, c'est cool. Qu'on se fait d'autres shows d'humour, parce que là, juste pour expliquer le contexte, Claudie, elle a fait, je voulais t'en parler au début, mais t'as comme manqué de temps. Ben oui. Mais Claudie, elle a fait le ZooFest. Écoute, avec, je pense que tes personnages TikTok que tu fais beaucoup. Oui, Mathéo, qu'on adore. Oui, Mathéo, oui, mon Dieu. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Pensez en faire d'autres, c'est quelque chose que t'as aimé? Oui, mais tu sais, ah, mon Dieu, des shows d'humour. Ouais. Il y a une tournée que prévue. Oh, Carlis. Hey, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Il y a une tournée de 8. Ah, c'est donc malade, c'est fou, hein? C'est malade. Qui aurait cru que TikTok m'amènerait en étant humoriste? Non, c'est pas vrai, je suis zéro humoriste. Mais on a une tournée de 8
8 représentations en 2023. Que t'aimerais faire, là? Écoute, je pensais pas que j'aimerais faire ça, honnêtement, parce que dans le fond, moi, quand on m'a approché, c'est vraiment une humoriste qui s'appelle Mégane Brouillard qui m'a écrit sur TikTok pour me dire si j'étais intéressée à faire le Zoofest, parce qu'elle écoutait mes vidéos TikTok puis qu'elle pensait que j'avais du potentiel en humour. Et moi, s'il y a bien une affaire dans la vie que j'aime faire, c'est de me lancer dans le vide et de me lancer des nouveaux défis. Moi, je tripe faire ça. Mais moi, l'humour, vois-tu? À chaque fois que je voyais un humoriste, j'étais comme, mon Dieu, son don est fou de faire ça, son don est bon. Tu sais, parce que moi, je suis comme tellement le genre de personne qui veut plaire à tout le monde que je me disais, oh mon Dieu, les gens vont pas rire. Tu sais, c'était comme. Je comprends. Mais tu viens t'overthink un peu. Puis après, la confiance en Christ aussi, là. Ouais. Puis c'est comme. Quand ça fait 3 semaines, tu pratiques ton texte, là. Ouais, ouais. Ton texte, il est plus drôle, là. T'as quasiment peur de comme. Ouais, c'est ça. Exact. Ça, c'est vrai. T'as un très bon point là-dessus. C'est exactement ce que je me demandais. Genre, tu le pratiques tout le temps. Au début, tu l'écris, c'est bon, là. Ah, mais juste la deuxième fois, tu le dis, t'es comme. Ah, tu sais. Imagine rendu à 20 fois, ben, là. C'est ça. Fait que là, moi, j'étais comme. Ouais. La journée même de la première représentation, j'étais comme. C'est sûr que ça va être pas bon. Personne va rire. Finalement, je fais juste embarquer sur la scène. Tout le monde est comme. Là, je suis comme, ouais. OK. Puis là, je continue, puis le monde, on rit tout le long. Fait que là, moi, je suis comme, hey, c'est le fun. Fait que, c'est si ça. Si, mettons, tu me dis quick un peu, qu'est-ce que tu fais comme humour sur la scène, tu sais, parce qu'on... Je dismate. OK, tu n'as pas des personnages TikTok? Non, vraiment okay. Pas. Je suis moi-même, en fait. Puis je raconte une histoire, puis je raconte vraiment des anecdotes avec Matt. Puis c'est-tu des choses, mettons, que tu fais, je pense, sur un sujet, puis ça passe, ça dérape, ou tu as quand même quelque chose de... Tu as une base parce que tu as différents types de façon de processus, je pourrais dire? Ouais, ben comme je sais que Matt Duff, mettons, lui, c'est très spontané. Puis ça, c'est beau de lui. Mais moi, l'affaire, c'est que j'avais pas le choix d'écrire un texte parce que, tu sais, je suis pas humoriste. Ouais, fait que, il était comme, tu sais, il faut qu'on vérifie si c'est chill avant. Ouais, ouais. Mais, tu sais, je me suis écrit un texte. Mais je t'avoue que quand t'es sur scène, tu prends tellement le goût au public. Des fois, tu te laisses un peu aller dans tes jokes puis ouais, tu t'en rajoutes. Ouais, genre. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai quand même trouvé ça pas pire. Tu sais, moi, j'ai fait de l'impro quand même longtemps dans ma vie. Ah ouais, OK. Ouais, puis du théâtre. Fait que on dirait que c'était quand même pas nouveau pour moi d'être sur une scène. C'était juste nouveau pour moi d'être sur une scène en étant moi. T'es seul, t'es solo, là. Ouais. Quand tu fais du théâtre, c'est comme t'es avec la personne. T'es pas avec le public nécessairement. Puis, je comprends ce que tu veux dire. Tu peux te relancer dans tes répliques. Quand t'es toute seule, si t'oublies ton texte, ben c'est fini, ciao bye, mon chum. Ouais. Fait que je. Mais oui, pour revenir à la question, il va y avoir d'autres représentations, mais en 2023, puis je capote sur cette opportunité-là. Je suis comme, ben voyons donc, comme c'est. C'est fucked up, là. Genre, j'ai fait OD, puis finalement, je fais des représentations. Genre, j'en ai une à l'Imperial Bell, un autre au Club Soda. Tu sais, c'est comme, c'est plein d'affaires vraiment débiles mentales. En tout cas, restez à l'affût. C'est vraiment cool. Pour ça, c'est tout à ton honneur. Ah, ben non, mais là, c'est pas. C'est grâce à Mégane qui m'a approché, en fait, là. Ah, t'as peu. Hey, là, Fred! Oh non! Oh my god! Oh shit, il y a beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de trafic. On va vivre quelque chose ensemble. On va vivre le trafic. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on pogne direct la sortie. Fait que je sais pas comment. Ah ben là, ça va bien aller. Ouais. Là, ben je suis pas stressée. De toute façon, écoute, on est en bonne compagnie. C'est le segment trafic. Yeah! OK, ben écoute, une autre question. Hey, ça m'intrigue. Ouais. En dehors de. Ben, ouais, non, je sais, qu'est-ce que tu vas dire, je pense. Ah ouais? Ben, OK, j'ai une bonne question de Sabrina qui demande « Comment tu fais pour dealer avec un chum gamer-streamer? » Je me fais tout le temps demander cette question-là. En fait, ça parce que pour moi, t'es pas tout seul. Je pense que c'est ça que ça veut dire, en gros. Parce qu'honnêtement, cette question-là revenait beaucoup. Ah, mais gamer, je pense que, tu sais, c'est... Je pense que... Attends un peu. Sortir avec un gamer-streamer, c'est pas facile. Là, je vous avoue que moi, ça m'a pris vraiment beaucoup d'adaptation. Dans le sens que, surtout au niveau du streaming. Tu comprenais-tu pourquoi? Aïe, comment? Pas au niveau... Ouais, maudit. Lucie. Lucie, elle sort de ta télé, là, Lucie. Non, mais... moi, le fait qu'il game, ça me dérangeait pas tant parce que, honnêtement, il était dans l'appart hein, pendant que moi, j'écoutais mes affaires, lui, dans sa petite pièce en train de gamer. Fait que moi, je suis comme, ah, il est là. Fait que, tu sais, moi, ça me dérange pas qu'il soit là. Moi, j'aime mieux qu'il soit en train de gamer qu'il soit au bar jusqu'à 4h du matin. Ça, c'est sûr. Fait que comme moi, ça, j'aimais mieux ça. T'as fait des photos par rapport. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, pour ça, il y a aucun problème. Moi, quand il game, j'écoute mes affaires, puis c'est bien chill avec ça. La seule affaire, c'est quand il a commencé à streamer, là, tu sais, il stream du 10 heures par jour. Et c'est crié 10 heures par jour. Matt, lui, il est comme tout le temps, je sais pas comment il fait pour trouver l'énergie, là. Mais tu sais, ce qu'on vend en ce moment, lui, il fait 10-12 heures par jour. Genre, hier, on est parti à minuit, là. T'as peur, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que lui, il fait ça pendant. C'est parce que lui, il est en live 12 heures par jour. 10-12 heures par jour sur la plateforme Twitch. Mais il fait tout ce qu'il fait. Oui. C'est ça, sa vie maintenant.
c'est sur son travail. Oh my god, t'es tough! Ah ben c'est tough! Puis au début, il faisait ça dans notre petit appart, genre 4,5, là. Moi, je capotais. Toute ton intimité un peu. Ah ben oui, puis moi, il fallait que je fasse du contenu. Fait comment que là, le monde, comme... pour le fun? Ben comme mettons, l'autre jour, on écoutait OD, puis il y avait 1300 personnes, là. Genre pendant 3 heures de temps, il y avait 1300 personnes. Mais en général, lui, il y a comme 300, 400 personnes qui l'écoutent tout le temps. Il y a comme tout le temps 300, 400 personnes qui l'écoutent en tout temps. Mais moi, ça me fait... Honnêtement, je sais pas comment réagir à ça parce que je suis comme... Ah, tu sais, c'est fou que tu dis... Tu sais, lui, là, il fait pendant 12 heures. Il y a 300, 400 personnes. Je sais pas comment il fait. Mais Chris, lui, il le fait. Il fait ses affaires. Plutôt qu'il y a quelqu'un qui écoute, lui, pendant ça, tu sais, je veux dire, lui, il écoute, là. Je sais, moi, je comprends pas. Mettons, lui, il fait ses trucs, sa vie continue, mettons. Ah, c'était tough, pis ça a été toute une adaptation de couple, là. Ça a été un gros défi mais pour notre couple. Est-ce que vous avez comme eu un moment, là, ça dévient un peu de la question, mais je trouve ça quand même intéressant. Non, pour vous. Sûrement qu'il y a d'autres mondes qui sont de même, mais est-ce que tu t'es comme assis avec lui, c'est assis avec toi, il a fait comme, hey, Claudie, c'est ça que je veux faire de ma vie. Oui, 100%. Ok, ça a été ça, genre une décision que c'est pris. Oui. Tu as consulté pis tout, là. Oui, ben moi puis lui, on était comme, tu sais, moi je disais, tu sais, my love, ton stream 12 heures par jour, moi je trouve ça rough sur le mental, je trouve ça rough de t'entendre crier, je trouve ça rough que tu sois à l'ordi toute la journée. T'es là, mais t'es pas là. Genre, ouais, pis là, lui, il était comme, tu sais, my love, j'ai tout le temps voulu faire ça, être Twitcher, streamer, tu sais, pis lui, le soir avant de se coucher, il écoute des streamers, pis il fait ça depuis vraiment longtemps. Fait comme, tu sais, je le comprends, pis en même temps, moi je suis vraiment quelqu'un qui s'adapte beaucoup, pis je suis quelqu'un qui... Je sais pas, moi, je suis quand même caméléon dans la vie, fait que je m'adapte à tout type de situation. Mais ce qui a beaucoup aidé, c'est que maintenant, il est dans une maison de contenu. Dans le fond, il loue une maison avec d'autres gens qui font la même chose que lui. Fait que dans le fond, pendant la journée, il est dans cette maison-là. Yeah, oui. Shit, c'est huge! Ouais, ouais, c'est huge, puis il fait ça. Il est dans une maison. Puis ce qui est le fun, c'est que cette maison-là a un gros terrain. Fait que moi, si je veux jouer avec Louise, notre chien, je vais au terrain, je passe une petite heure là, je dis bonjour à mon chum, je suis comme « Hey, bonne journée! » Je m'en vais à l'appart, je filme tout mon contenu, je prends mes courriels dans le silence total, je suis 100% bien, je filme mes TikTok dans le silence, il n'y a pas encore quelqu'un qui crie en arrière, et vers 9h le soir, je vais le rejoindre pour aller le chercher, puis on revient ensemble. Fait qu'à chaque matin, on part ensemble vers la maison de contenu, je vais le porter, parce que c'est genre à 15 minutes de chez nous. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais tu sais, sans être indiscret par rapport à oui, ça... Oui, vas-y. J'ai une question par rapport... Tu dis qu'il y a une maison qui est à part, mais tu sais, les revenus par rapport à un streamer, comment ça fonctionne? Tu sais, pas obligé de rentrer en détail, là. Ah, ben, je peux te le dire. Mais juste comme, ouais. C'est-tu le monde qui envoie de quoi, okay. Là? Dans le fond, c'est vraiment bizarre, mais c'est un peu OnlyFans. Dans le sens, les gens s'abonnent pour t'encourager. Tu comprends? Okay. Ben, c'est pas OnlyFans, genre, il fait zéro rien de sexuel, mais c'est le même principe que OnlyFans dans le sens que les gens s'abonnent à lui s'ils veulent plus de pub. Fait que, mettons, Mathieu, lui, dans son stream de, mettons, 10h, 9h, il va avoir des pubs qui vont rouler. Ça, ça va lui faire faire de l'argent, un peu comme YouTube. Mais si les gens veulent plus des pubs, ben, ils vont s'abonner pour encourager Mathieu. Mais il y a aussi des donations. Et ça, moi, je ne comprends pas les gens. C'est complètement malade. Ah, c'est complètement fou. À un moment donné, ça arrive tout le temps, là, pis ça, esti, ça gosse, mais ça gosse pas. Les gens sont tellement de bonne foi. Mais il faut, mettons, j'arrive puis je dis, oh my love, me semble, je mangerais des Ben Krispy Kreme. Ben, mettons, 30 minutes plus tard, il y a des gens qui nous ont envoyé des fucking Ben Krispy Kreme. Ok, t'attendais qu'il y a un pouvoir. Ouais, non, mais là, je suis comme la gang, c'était pas ça que je voulais dire. Il y a eu un moment, là, on se faisait livrer tout le temps. Imagine si les 300 personnes auraient dit, ah, si, oh, non. Chris, la boîte de Ben. Arrête! Mais à un moment donné, c'était l'enfer. On se faisait tout le temps livrer puis j'étais comme, non, mais la gang, faut vraiment que vous arrêtez. Genre, je dis plus ça, comme, hey, j'ai un craving de poutine. Il y a quelqu'un qui envoie une poutine. Je suis comme, non, arrêtez-moi oh ça. My God. Oui, là. C'est ça. Puis est-ce que des fois, il fait du one-on-one avec quelqu'un? Ou ben, genre, c'est tout le temps, il peut appeler quelqu'un. Si quelqu'un veut l'appeler, il s'appelle. Puis des fois, il jase. Matt, lui, il appelle tout le temps du monde. Tu sais, comme des fois, il t'envoyait des messages vocaux quand il était en stream. Là, c'était tant de stream. OK, ah, oh, ouais. Ben oui, à chaque fois qu'il t'envoie des messages vocaux, il est en stream parce que lui, là, il était bien jaloux, by the way, que je viens dans ton podcast. Ah, il mais... était comme, je suis fucking jaloux. Il dit, tu diras à Fred que je suis hot, moi aussi. Là, non, j'étais comme d'ailleurs. Tu sais ce que je voulais faire? Oui. Je voulais que, genre, il soit au Tim Horton quand on arrive. Ah, oh, ça aurait été drôle! Mais là, c'est parce que l'affaire, c'est que on n'a pas de place au milieu, fait que ça aurait comme été. Oh, ben ça aurait comme pas marché au niveau. Dire, là, je voulais comme pas faire juste venir au Tim. Ben non, ouais, c'est bien correct, on s'en calisse, mais. Fait que. Mais faut que j'y aille. Il voulait que je vienne, Asti. Il veut absolument. Il t'aime tellement. T'as pas idée à quel point il t'aime. Il me parle toujours de mes bijoux aussi. Il te regarde tout le temps, là. Puis là, il est comme. Ce gars-là, là, c'est un tank, là. Genre, ce gars-là, tu le regardes, puis c'est un géant. Genre, je comprends pas. Comme je le regarde d'en haut. Genre, tu sais comment il est, là. Lui, c'est comme autant qu'il est fucking
gossant quand il donne des défauts aux gens, mais quand il donne des qualités, écris ce que tu sens. Chris, il m'a vu, il s'est mis à genoux. Oui, 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 oui. Chris, Matt, lève-toi. Oui, 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 il m'a. OK, dernière question. Mais vas-y, excuse. Non, Chris, mais oui, ça a été une adaptation et j'ai failli le laisser parce que j'étais à bout. Ah, ouais. Ah, mais là, moi, j'étais comme garde. Ben, la gang. C'est ça, ça doit être tellement chiant. Bon, vous dire, en 3 ans, Matt pis moi, on a déjà failli se laisser. Puis savez-vous quoi? C'est ça, la réalité d'un couple. Puis c'est pas vrai que, moi, j'ai envie, je veux travailler pour mon couple. On est en 2022. Je veux travailler pour mon couple. Puis c'est pas vrai que je vais laisser mon couple pour la première enfant qui arrive. C'est des hauts et des bas. Exactement. Mmh. Puis je vais en vivre avec Esti. Si je sors avec Francis, Esti, ça va être autre chose, tu comprends? Il va tout le temps avoir de quoi. Une expression qui a été dit par mon oncle, le gazon est pas plus vert ailleurs. Exactement! Puis c'est crissement vrai. Honnêtement, ça, là, oui, des fois, ça peut être plus vert quand tu vis dans une situation difficile. On reste dans la métaphore, là. C'est ça. 100%. Fait que, ben écoute, on est bon pour une dernière, oui. Une petite quick. 100%. Non, on parlera pas de ça, nanana. Ah oui, ok, j'ai pas le choix de te le demander parce que ça et tout, ça revenait tout le temps. Oui. Mariage, enfant. Ah, tout le monde demande tout le temps ça. Je le sais. C'est tout le temps la question que le monde pose. Je le sais, mais c'est parce qu'honnêtement, il y a 50% des questions, c'était ça. J'étais comme, ça me tentait même pas de la poser, mais j'étais comme, mais là, c'est ce que le public veut. 100%, ben non, 100%. Moi pis Matt, on veut pas d'enfant. Oh, okay. Ouais. Dans le fond, on veut les deux pas d'enfants. On est super bien. Ben là, c'est une décision qui se sent mieux. Là. C'est des points justement. Oui, c'est ça. On n'a jamais voulu en avoir. On n'en veut pas. Puis si ça change, ça changera. Mais on pense pas que ça va changer. C'est indiscret, t'as demandé la raison. En fait, la raison, c'est que on aime beaucoup notre liberté, Matt et moi. On sent qu'un enfant, c'est beaucoup de travail, évidemment. Ouais. C'est à vie, un enfant. Et moi, je ne sais pas si j'ai la capacité mentale pour ça. Bon, je t'avouerais, porter un enfant aussi, ça ne m'intéresse pas, ça me fait peur. Je sais pas, ça me fait peur. Par contre, une option qu'on aimerait, puis quand je te dis « on », c'est beaucoup moi qui a amené ça, mais Matt... Je suis la personne qui parle. Oui, c'est ça, mais Matt, il est quand même, il aimerait ça lui aussi. Okay. Dans le fond, on s'est dit que si on n'avait pas d'enfant nous-mêmes, on aimerait peut-être ça devenir famille d'accueil. Ah, ok, toi tu dis, un, j'en veux pas, mais plusieurs, pourquoi je sais pas? Non, mais c'est tellement bizarre, hein? Je sais que c'est vraiment câble. Ouais. On dirait que dans la vie, j'ai comme le sentiment de vouloir aider, constamment. Ouais, c'est vrai, ouais, mais c'est ça, je me suis dit dans ma tête. Ouais. Je pense que c'est que tu sauves quelqu'un un peu, là. C'est ça, ouais, moi j'ai le syndrome de la sauveuse, ouais. J'avoue, là. Genre, sauver les gars, là, moi, c'était ma mission en vie, là. Ok, de genre les crises. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, fait que je te dirais qu'être famille d'accueil, un jour, peut-être, moi, j'aimerais beaucoup ça, tu sais, avec les ados encore, parce que je sens que c'est les ados qui sont beaucoup abandonnés, puis ouais. En tout cas, je sais pas. Ben, je pense que ben, les enfants aussi, tu encore là, je te dis ça, ça se peut que ça arrive jamais, c'est juste que c'est une possibilité que j'aime de me dire que si j'en veux pas, ben, comme j'en aurais, mais à temps partiel dans ma vie, puis je pourrais expérimenter le fait d'être mère un peu. Peut-être ma tante aussi. Ouais, mais encore là, je m'attacherais sûrement à ces enfants-là, puis je voudrais les garder. Puis, niveau mariage, dans le fond, on voulait se marier avant nos 30 ans. Mais c'est pas quelque chose qui presse. Nous, c'était dit, on va se fiancer, ça va être comme un symbole de notre amour. Puis on veut se marier plus tard pour dire... Parce que nous, on veut être à notre mariage puis dire, hey, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, puis on a passé par ça, par le fait que tu sois un streamer, on a passé par le fait que je suis fucking insécure, on a passé par le fait... Ouais. On a passé par plein d'étapes. Puis c'est ça qu'on trouve beau du mariage, puis on veut pas un mariage religieux, je tiens juste à le dire. Puis pas le mettre genre rapide, là. T'sais, c'est comme justement non. Comme tu dis. Ben, mais nous, notre mariage, c'est juste pour comme dire qu'on on a un party. Elle partait aussi. C'est ouais, ça. C'est ça ouais. Moi, je veux juste avoir ma petite robe blanche, on se marie, on invite nos amis, on dort dans des chalets. Nous, c'est ça, notre mariage, c'est comment? Fait que c'est ça. Ben, je t'ai répondu à toutes les questions des films. Ben, écoute, c'est tout. C'est merci. Très dommage que ça soit déjà fini. Merci beaucoup d'être venu. Pour vrai, c'est vraiment cool. Ben, merci à toi. Pour vrai, c'était tellement le fun. J'ai vraiment apprécié d'être sur le podcast. Merci d'être venu. Puis je te souhaite bonne chance dans tous tes projets. Puis moi, c'est sûr que je vais te suivre un Perception podcast. C'est fin. Et tes shows d'humour, que ça, c'est une nouvelle. Hé, hey, mon Dieu. Hey, je suis tellement stressée. Moi, je voulais que personne vienne me voir. C'est sûr. Non, mais je pense que je vais y aller en live. Là. Genre, j'aimerais vraiment ça. Allez, bon. On s'en parle. Et écoute, petit cadeau que j'ai pour toi, comme je t'avais promis. C'est trop cute. Là, tu connais ma compagnie? Oui, ben oui. C'est trop gentil. FG, en fait, c'est une compagnie de montres et de bijoux. Merci. Fait que je t'offre un petit cadeau. En fait, c'est une carte cadeau que tu vas pouvoir utiliser. Ah, pour vrai? Ouais, mais c'est dommage gentil. Sur le site en ligne. Ah, je vais l'utiliser pour Marc. Ben, pour moi aussi. Ouais. Mais c'est juste que, comme je me dis, hey, c'est long et le fun. Merci, ben, Fred. Merci à toi. Puis la gang, on se dit la semaine prochaine pour un autre épisode du Robbie Show. Merci. Bye.